tenter de finir. On sort. C'est pas gentil ça, mon frère. C'est pas très gentil ça, dis donc. C'est pas gentil, le ref. Ne finis pas au sort, s'il te plaît. Ne finis pas au sort, mon ref, s'il te plaît. Voilà, parfait. Bonjour à tous, nouvelle vidéo Clash Royale. Aujourd'hui, on fait des folies avec le deck cimetière. Deck cimetière gel. Vous connaissez sûrement le principe, c'est totalement toxique, c'est trop bien. Et je me dis, mais pourquoi ça fait des mois qu'on n'a pas fait de vidéo avec le deck cimetière? Parce que c'est vraiment l'un de mes decks favoris. On est parti pour rusher, je vous le dis, dans cette vidéo. Je suis sûr qu'on va faire des massacres. On est parti contre Jet-Lay. Let's go mon frérot, j'espère que vous êtes en forme et vous allez découvrir ce deck d'exception. Vous allez voir en défense, c'est un des meilleurs decks défensifs. On a Tour de l'Enfer, on a Valkyrie, on a Bouliste, on a Archer méga gargouille. Donc autant dire que les golems, les molos ils passent pas, les géants ils passent pas. Enfin, il n'y a rien qui passe en fait, vous allez voir c'est exceptionnel. Peut-être que contre Cochon 2.6 on peut prendre cher, mais contre Lockbait aussi peut-être, j'en sais rien. Mais en tout cas contre les grosses et moyennes unités, ça défend très très bien. Également le deck, on a le sort de gel, donc on pourra mettre le sort de gel en défense. Ah ouais, on est contre un petit deck coquin en face. On est contre un frérot qui joue le séisme. On va partir directement en cimetière, voir un petit peu comment on s'en sort. Il joue l'artificiaire, le coquin. Donc l'artificiaire quand même assez assez relou. Et la méga qui va connecter, bébé. Putain, et quel début de vidéo exceptionnel. Je pense qu'on va faire que des victoires. Je suis honnête avec vous, le deck est vraiment trop trop bon. J'ai testé un petit peu, c'est exceptionnel, ça cartonne. Donc n'hésitez pas à le jouer. Faites-vous votre avis quand même, restez encore 2-3 games sur la vidéo. Watch time, tu connais. Faut que vous restiez le plus longtemps possible sur la vidéo. Mais voilà, franchement le deck je kiffe. Et l'idée c'est à chaque fois de trouver la meilleure solution pour défendre. Là on va rajouter une petite Valkyrie. Je pense qu'on aura une belle contre-attaque derrière au cimetière. Voilà, parfait, il a le séisme. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage de mettre le ouais, le coup de cochon. Je prends un petit coup de cochon, quand même pas mérité mon pote. C'est quand même bien de attendez, juste on va juste mettre ça, sinon les archers. Ouah, ça one shot les archers, frère. Ah ouais, l'artificiaire vraiment rigole pas. L'artificiaire qui sera dans le top 5 des cartes cancer, hein, d'ailleurs, qui sortira bientôt. D'ailleurs, mettez-moi votre pire carte cancer dans les commentaires. Carte cancer, ça veut dire la carte qui vous fait péter un câble. Voilà, pour moi, c'est ce que j'appelle une carte cancer. C'est une carte qui fait péter un câble et qui peut faire rager l'adversaire. Sympa le petit combo, en tout cas, avec la méga et le cimetière. Ça a super bien marché. Il doit défendre à la fois le terrestre et à la fois l'aérien. Donc j'aime bien. C'est quoi, on va être la tour d'enfer ici, frérot? Oh là 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 là, aucun respect, hein. Vraiment, là, il n'y a plus aucun respect. Il pouvait pas pré-shot. Bon, peut-être que la prochaine fois, il va pré-shot ici, mais ce serait un petit peu balèze de sa part. Ok, le petit combo des familles. On met cimetière et on met Valkyrie au centre. On peut également mettre un géant. Si on joue géant cimetière, évidemment, ça marche très bien. Ça me rappelle l'époque avec Nem Sensei. C'était l'un des meilleurs joueurs français de Clash Royale. Il jouait pour Team Vitality avec Walleouf. Quelle époque de folie, c'était en 2017, je crois. Mais voilà, gros hit casse à Nems s'il passe par là. Ouah, là on a défoncé son... What? Ah non mais l'artificiaire c'est trop frère. L'artificiaire qui ne résiste pas, enfin qui résiste plutôt à un coup de bouliste. Cousine, qu'est-ce que... Quel stéroïde tu prends? Non mais frère, c'est quoi qu'elle prend là? C'est pas possible. Elle résiste pas à un coup de Valkyrie aussi, ah, c'est terrible. Hein. Après ça coûte 3 d'élixir. Mais je trouve que c'est une carte quand même très très forte. Yes. Et heureusement, on a les flèches pour la détruire. Et bonne chance mon frère, bonne chance à toi, bien joué. Première game facile. L'idée dans les decks cimetières, dans tous les decks comme ça, un peu lent, puisqu'on est sur un deck quand même assez lent, c'est d'être patient. Encore une fois, le conseil que je donne tout le temps, c'est soyez patient les gars, et ça marchera. Voilà, soyez patient, et franchement, ça devrait passer sans aucun problème. Ok, on part sur un Zappy. Donc on aura du sort de gel. Le sort de gel qui est quand même exceptionnel pour défendre le Zappy, puisque le sort de gel qui lui permet de geler l'action, tout simplement. La pire explication du monde. Ok, alors si on partir là-dessus, ça c'est géré. Alors ici, il faut pas faire de la merde. Je pense que la Valkyrie peut permettre de gérer. Derrière on a une petite contre-attaque des familles peut-être, enfin, du moins j'espère. Ok, bon, il a la sorcière. Donc pas trop de soucis avec la sorcière. Donc il joue géant. Il a l'air d'être plutôt aggro le frère là. Il a l'air d'être plutôt très agressif, il en rajoute tout le temps. Normalement là ça va gérer et on va pouvoir gérer la méga. Enfin on va pouvoir mettre la méga sur la sorcière. Je pense que c'est nécessaire parce qu'on a beaucoup de petits squelettes qui peuvent être relous. Ok, on va pas partir en cimetière, on va encore une fois être très patient. Là on a quand même pas mal de tanks en face. Géant Zappy,
Donc ça va pas être simple, mais on va essayer de tout donner évidemment. J'ai envie de partir sur le côté gauche, voilà, avec le Bullist. La méga qui sera pas mal pour gérer ce Zappy. Les archères qui peuvent se faire éclater. Il faut vraiment faire gaffe aux archères. Elles peuvent vraiment prendre très très cher. Ok, on va les mettre dans le fond. Ok. Alors, les flèches. Tour de l'enfer ici. Ok. On va juste mettre une méga. J'espère prendre un seul coup de Zappy. En disant ça, j'espérais ne pas prendre de coups. Dommage, j'aurais dû mettre la tour de l'enfer un peu plus haut. Ah, c'est con, mais on aurait peut-être pris un coup de Zappy si j'avais mis la tour de l'enfer en haut. Putain, un match-up sympa, là. Hein. Enfin, un match-up sympa. Match intéressant, j'adore les... What? What? Ok, il a miroir les flèches. Après, je pense qu'il a un deck où il a pas grand-chose. Du coup, il vient de mettre 4. J'ai envie de partir en agression ici. Sur l'autre côté. Ok, ça part en Zappy. Donc là, il a plus d'élixir. Sort de gel. Allez, on a le Bullis. Allez, bébé! Putain, la bonne idée. C'est pour ça que c'est un deck assez skillé. Bon, c'est pas le deck le plus skillé du monde. Enfin, quand même. Cimetière, c'est vrai que c'est quand même pas simple. Mais j'aime bien. On a pas mal de choix à faire. Pas mal de choix stratégiques. Tour de l'enfer sur le côté gauche. Ok, là au moins, on prend pas de dégâts. On Bullist ici. Putain, il a un max d'élixir. Le ref, je sais pas comment il fait vraiment. Je vous le dis, des fois, on sait pas comment les gens ils font. On va friser, je pense. Ok. Ok, ok, ok. Ok, ça prend des dégâts. C'est énorme ce qui se passe. On va être la Valkyrie quand même. Ouais, on a eu de la chatte. On a eu de la chance. On a bien fait de. What? Frère. Frère, j'ai dû mettre les flèches sur le. J'ai dû mettre les flèches sur le géant, frère. Personne ne fait ça. 4-3-2-1. La victoire à Da, bébé. Oui, oui, oui. Yes. Julien Lepers sort de ce corps. Magnifique. J'aime bien. Là, on est bien. Là, on est très, très bien. C'était tendu. Hein. C'était tendu. Petite victoire qui me régale. Franchement, la game était folle. Je me suis dit, mais putain, mais comment on va passer? On a pris un coup de Zappy à gauche et finalement, ça passe. Troisième game. C'est parti. Oh, la voix du matin, frérot. La voix de Dark Vador, j'en sais rien. Ok, Mohamed, bonne chance, mon frère. Let's go. Valkyrie. Émoticône. Très important, les émoticônes. On en met moins qu'avant, honnêtement. Si tu me prends il y a un ou deux mois, j'en mettais beaucoup plus. Là, c'est quand même plus soft. Les archères pour le frérot, qui vont être les flèches. Les petites flèches des familles. Petit début de partie, tranquillou. Bullist ici. Ok, donc on a des... On a également des barbares d'élite, ok. Putain, Mohamed, il est énervé aujourd'hui, je vous le dis. Il a pas pris son petit déjeuner. Il a la dalle, le frère, il a la dalle. Ok, barbares d'élite. Et là, ce serait quand même... Ah, c'est quand même de pas profiter d'une contre-attaque. On va quand même mettre les archères. 3 d'élixir. Ça permet de gérer d'éventuelles chauves-souris ou des trucs comme ça. Oh, électro-géant, barbares d'élite. Putain, jamais vu ça. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ça, les gars. Donc, ok, on va mettre les flèches. Faut vraiment gérer ça. On met quelques dégâts sur l'électro-géant avec les flèches en plus. Ah oui! Ah oui, oui, oui. Donc là, on a électro-géant en bouliste, les refs. La tour de l'enfer qui sera étrangement pas dégueulasse contre l'électro-géant puisque c'est un bâtiment et ça le fait tourner. Donc c'est quand même bien. Ah ouais, le frère. Oh là là, c'est un joueur très aggro. Je pense que voilà, ce genre de joueur, faut mettre un beau cimetière qui prend la game. Mais faut être quand même vigilant. Puisqu'il peut nous avoir hein, à tout moment, on est en manque d'élixir. Et il nous envoie barbare d'élite ou électro géant, on n'a rien pour défendre. Là je pense qu'il a rien pour défendre typiquement. Ouais, je pense que là il a rien. Ok, barbare d'élite. Ouais, le truc c'est que là, l'électro géant, j'aimerais bien le gérer avec la tour de l'enfer, mais j'ai déjà la tour de l'enfer à mettre sur les barbares d'élite. Donc un peu chiant. Ouais. Ouais, il va falloir trouver une solution. Après en x2, je pense qu'on sera mieux, on pourra faire des plus belles contre-attaques, on pourra accompagner nos troupes, mettre des cimetières en contre-attaque. Ouais, ils s'en balèquent les couilles en fait, ils s'en balèquent totalement. Ok, alors, ce qu'on peut faire, on peut partir là-dessus. On peut mettre les archères. Ok, mini PK. Il est vraiment trop aggro et vous allez voir en fait, ça dépend beaucoup du deck si... Parce que faut pas jouer aggro comme ça mais... Ok, il y a qu'un archère. Il y a qu'une archère, pardon, j'aurais bien mis le cimetière mais... Ok. Ouh, il a fait le petit pré-shot. Le petit pré-shot. Il rigole pas, le ref. Il rigole pas. Les flèches, peut-être un peu de trop. Peut-être que là, je perds 3 d'élixir, clairement. Elle m'aurait pas vraiment fait mal. C'est ces petites. Ok, on va partir en cimetière cette fois-ci. Ok, il joue canon. Ok.
Ok. Intéressant, on va être la méga. On est devant, mais attention parce qu'il a évidemment électro géant, barbare d'élite, mini PK. On va mettre ça. Ah, le problème c'est que ça envoie tellement de dégâts, c'est quand même assez cruel. Ce monde est cruel, comme dirait le V. Voilà, vous voyez, tour de l'enfer. Très solide, alors évidemment. Là, elle va crever la tour de l'enfer, mais c'est pas grave. C'est du 5 pour 7, donc c'est bien. Là, on va se mettre vraiment archi bien. Là, on va se mettre vraiment terriblement bien. Enfin, normalement. Non, j'ai dit normalement. Putain, frérot, c'est trop. Non, mais mon ref. Il y a un boulis qui, quand même, sur le terrain. Il y a quand même un putain de boulis. Il y avait un putain de géant violet. C'est pas géant vert, c'est géant violet, frère. C'est quoi ce délire? Il y a le géant violet sur le terrain et on prend des dégâts. Et là, par contre, j'espère qu'on termine. Hein. Non, pas du tout. 600 HP. Oh mon ref, c'est trop là. C'est la vie est trop brutale pour moi là. Non, on va la prendre. Hein. On va la prendre cette game. Hein. Ouf. Oh la chatte. Non, mais ce serait bien quand même. Il s'agirait de pas mourir quand on met 4 en défense pour gérer 6. Ok bébé, putain, c'était une game horrible. Yes. La game mal de crâne, mon ref. Où t'as un gars qui n'en a rien à foutre, qui t'en envoie plein la tête. Ouhouhou, ça fait plaisir. Allez, les 3 petites victoires d'affilée, ça régale, c'est la régalouse. Et ça continue, frérot. 4e game. Le deck est bon. Mais soyez vigilants quand même, quand vous jouez ce deck. On peut se taper des barbares d'élite, des géants royaux, des électro-géants dans tous les sens. Faut être quand même assez prudent. Et on est parti avec Masterchef qui nous joue un deck cimetière, je pense. Donc, avec le roi squelette. Beaucoup de vie, l'un des meilleurs héros du jeu. Je pense qu'on part en bouliste ici. Le bouliste qui me plaît. On a la méga qui reste en vie. Voilà, nickel, il joue également. Sans surprise, le squelette géant. L'une des meilleures cartes du jeu. J'ai envie d'agresser parce que c'est quand même un bon spot, je trouve. Il n'y a pas de squelette, il n'y a pas de roi squelette en face. Et là, même. Oh putain, fallait qu'il joue cette peste. Non, frère, non, j'y crois pas. Il joue la mamie, frère. Et le squelette géant qui va passer à gauche. Bon, là, c'est terminé. Autant dire que là, c'est la fin des haricots, frérot. Ok, bien joué, mamie sorcière counter. Parfait. Je joue ce deck, en plus, je le connais. Je vous l'ai présenté, donc forcément, pas d'excuses. Non mais frère, c'est trop là, il va faire 3 couronnes. Au calme. Après, je vous avais jamais présenté cette version. Parce que cette version avec le... Bon ouais, c'est bon, vas-y, on laisse gagner. C'est pas grave, on laisse gagner l'adversaire. La défaite, putain, elle est amère celle-là, frérot. Je me suis dit, allez, on va attaquer au cimetière. Mamie sorcière, terminé. 4 élixirs, dommage, c'est de ma faute. Faut être vraiment prudent, faut vraiment se dire. Il peut y avoir un zappy, on peut avoir un méga chevalier. On peut avoir un PK, on peut avoir vraiment les pires trucs du monde. Donc... Soyons encore plus patients pour la prochaine fois, mais c'est vrai que des fois, t'as ta main, t'as le cimetière gel, t'as rien d'autre à faire. Tu te dis, bon, vas-y, on y va. Et voilà, soyez patients là-dessus, dites-vous tout le temps, on peut avoir un golem, on peut avoir vraiment les pires trucs du monde, quoi. Donc soyez quand même attentifs là-dessus, les frérots, et on est parti. Ouais, c'est vrai que la mamie, elle nous régale pas du tout, donc on va pas mettre de cimetière encore. Les apis aussi assez relou, on va pas se mentir. Ok, donc là, on va mettre la tour de l'enfer direct, histoire de la gérer. Histoire de gérer cette chose ignoble. Allez bébé, ça dégage, on se motive. Motivation. Ok, la méga qui s'est pris évidemment. La bombe, c'est pas grave frérot. Boum. Ok, donc on va partir sur le bouli sur le côté gauche. Il part en squelette géant miroir. Il s'en bat les couilles le gars. Plus rien à foutre. Squelette géant qui coûte 7. Et c'est vrai que c'est le prix d'un méga chevalier quoi. Donc c'est quand même bien plus solide je trouve qu'un méga chevalier. Parce que c'est niveau 16 hein, encore une fois. Ok, on va mettre la méga. Parce que s'il rajoute un truc. Ok, il y a du boulis, il va attirer la tour centrale, bien joué. Enfin je pense, oui. Let's go. On va partir sur les flèches quand même. Histoire de pas prendre trop de dégâts. Et on prendra pas de dégâts. Alors le problème c'est que putain. Il y a les 3 tours d'activer, donc quand on mettra le gel, il faudra mettre évidemment le sort de gel sur les 2 tours. Voilà, je sens que ça va être chaud, mais je sens que ça va être une game intéressante. On part en bouliste.
peut pas non plus agresser comme ça n'importe comment, donc c'est plutôt sympa. Ici, on va pouvoir gérer le fantôme royal facilement. Enfin, du moins, j'espère. J'espère. Voilà, frérot. Et le problème, c'est qu'on a la bombe du squelette géant assez relou quand même, hein. Il faut le dire. Très relou ce deck en face. Pour moi, c'est le meilleur deck. Pour moi, c'est le deck le plus toxique qui joue, clairement. C'est vraiment de la bombe. Ouais, c'est trop bon, c'est trop fort. Vraiment trop fort. Piu, let's go. Ok. Va falloir mettre un cimetière, les gars. Vous le savez, il va falloir mettre un cimetière. On va le mettre sur le côté gauche. Le problème, c'est qu'on a encore une fois 3 tours. Oh, frère, c'était sûr. Deux fois la mamie d'affilée, deux fois la mamie sorcière. Putain, c'est grave. Oh, c'est trop grave. Oh, c'est trop grave, les gars. Oh, c'est vraiment grave ce qui se passe. Allez, on y croit. Oh, il part à gauche, putain, le con. Il va faire le... Ok. Ok, je sais pas trop ce qu'il fait, là. Je sais pas trop à quoi il joue. Il avait bien gratté sur l'autre côté. Là, il met les trois... Putain, mais c'est l'occasion, en vrai. Alors, certes, il joue la mamie. S'il est pas con, il la met tout à gauche. Il la met tout à droite. Du coup, là, je vais pouvoir passer. Oh, j'ai... Putain de... Ok. Ok, on est toujours derrière. Il a plus mis de squelette géant depuis longtemps. En fait, il a pas calculé que le squelette géant me faisait vraiment chier. Ok. Allez, attire les archères, mon frère. Voilà, parfait. Bon, c'est chaud en vrai, hein. Chaud cette partie, hein. Il vient mettre la mamie. Plus de mamie. Ah, elle est toujours là. Oh, elle est toujours là. Oh non, c'est trop. Oh, c'est trop les refs. Non, putain de deck de cancer de... Non, c'est pas possible d'avoir un deck aussi cancer, les gars. Je suis désolé. Deux fois la mamie contre le cimetière. Évidemment, vous l'aurez compris, c'est le pire counter. Et j'ai l'impression que ce deck géant squelette est bien trop présent dans la méta. Avec le pêcheur, on peut attirer la tour centrale. Vraiment, il m'a éclaté. Ah, vraiment, quand on regarde le replay, hein, quand on regarde les matchs, c'est vrai que c'est compliqué de gérer tout ça. En plus, le miroir dans les deux. Ouais, les versions sont... excellente. On n'abandonne pas, on y va, mais c'est bien évidemment de voir les défaites comme ça, mais le deck est trop solide, je vous le dis. Squelette géant, meilleure carte du jeu. On a également le pêcheur, très intéressant. En fait, le combo est vraiment trop fort, quoi. Et la mamie, forcément, quand ça joue cimetière, tu te fais défoncer. On aurait pu passer avec un seul cimetière bien placé au lieu d'essayer d'en mettre 3 ou 4. Là, j'essaie d'en mettre 3 ou 4. C'est pas grave, les refs. On continue contre Bican Swan. Bonne chance, mon frère. Ok, duel de Valkyrie. Allez, on se reste focus. Ce serait bien de passer les 6150. Encore 2-3 games là. Ça ferait plaisir, ça ferait du bien. Ok. Alors. Archer magique. Ok, j'ai vraiment eu peur que ça prenne la tour. Ça va. Let's go. On peut partir en cimetière, mais on va quand même être patient. S'il y a une mamie, s'il y a une connerie. Ok, tour de l'enfer ici. On prend pas la tête. Ouais, bon. Ok, parfait. Ça joue garde sa peur, donc mineur garde sa peur. Un deck plutôt rapide évidemment pour l'adversaire. Deck très intéressant. Valkiki. Valkyrie très intéressante, on va pouvoir la défendre facilement, elle va venir dans notre camp. Waouh, les deux, et franchement les deux matchs. Les deux matchs étaient terribles, les deux matchs étaient fous tout simplement, ils étaient tout simplement fous. Ok, on va mettre la méga. Nice. Nice, et là le beau cimetière des familles. Ah, il est magnifique. Ok, on va laisser les sapeurs taper, c'est pas grave, on a tout ce qu'il faut. Les flèches. C'est vrai que c'est con de mettre des flèches sachant qu'il y a le boulisse, mais on va quand même les mettre. Let's go. Il a bien défendu, bien joué à lui. Il reste quand même 2-3 coups de bouliste. 1, 2. Ouais, 2 coups. Ça va, c'est ok. Après, c'est vrai qu'on joue au cimetière, t'aimes bien mettre un seul cimetière qui défonce tout, mais là le truc c'est qu'on en met. On en mettra plusieurs, c'est pas grave. C'est quand même ok. Ok, alors là, il va jouer évidemment mineur. Archer magique, sapeur. Ok, donc là, on a une bonne value. Là, c'est très bien. Tour à bombe. Tour à bombe des familles. Ok. Il tape pas sur la tour, donc ça va. Heureusement. C'est quand même un peu con. Ouais, très bien. Là, vraiment, on est très très bien dans la game. Cimetière gel.
qui va arriver. Valky, le problème c'est qu'on avait l'archer magique. Est-ce qu'on peut mettre quelques patates? Dommage. Oh, le petit squelette qui est passé en fait sur le côté droit. J'ai un peu le seum. Oh, il a tenté de faire un super move. Presque. Failli réussir. 2000 points de vie restants. Allez, il faut y aller. On y retourne. Cimetière gel des familles. Pré-shot des gardes. Non. Putain, pas du tout, mon ref. Pas du tout, je me suis fait défoncer. Oh, pas de chance. Franchement, les pré-shots qui passent pas, ça c'est terrible. Ok, 100. Let's go, bébé. Wouhou, c'était tendu. Et comme tu me donnes un match-up qui n'est pas dégueulasse, on y arrive. Mais j'aimerais bien rejouer en fait contre un deck comme ça. J'aimerais bien que pour la dernière, on joue contre un frérot comme ça. Avec du deck squelette géant miroir, avec du squelette géant niveau 16. On va se représenter d'autres decks avec ce deck. Hein, parce qu'honnêtement, avec le squelette géant, avec le miroir. Parce que c'est bien trop fort et on l'avait vu dans la vidéo, c'était vraiment exceptionnel. Ok, j'avais fait une vidéo présentation d'un deck comme ça il y a quelques jours, rappelez-vous. Ou pas, peut-être que vous ne voyez pas toutes les vidéos et c'est bien normal, vous avez une vie. Ok, c'est pas mal. Dommage qu'on n'ait pas le cimetière. Donc, on aura sûrement des gobelins. Peut-être un fût de gobelins aussi, chevalier, valkyrie en face, on verra. Ok, bouliste. Intéressant, intéressant que je bouliste en face. Je sais pas trop pourquoi il joue bouliste, mais voyons voir. Donc il a un deck quand même assez lourd. Enfin, lourd en élixir, en termes de prix. Ok, mousquetaire. C'est étrange, je vois un deck comme ça. En général, on a des decks plutôt cycle, des decks plutôt très rapides. J'ai envie de partir sur un... Putain, j'ai mal du cimetière. Quel boulet. Quel boulet, les refs. Ouais, des gobelins, on l'avait dit. À chaque fois qu'on met un coup sur un... Ouais, ok, sorcier électro. Il joue un deck vraiment bizarre. On a pris l'avantage en tout cas. On a pris l'avantage les gars. Et ça, ça fait plaisir. Ok, choisis de défendre avec les flèches. Plutôt une bonne idée je pense. Idée incroyable du joueur français. Non mais l'idée était vraiment folle. Je me suis dit on va être la Valkyrie. Mais je pense que les flèches étaient sympas aussi. En plus ça coûte moins cher. Donc nickel. Bon. Le fût, on peut le gérer de multiples façons, on a la méga, on a pas mal de choses. Bouliste en face, bon c'est pas trop un problème. On a pas mal de troupes comme la Valkyrie pour défendre, voilà, parfait. J'ai envie d'y aller en fait, là c'est terrible mais j'ai vraiment envie d'y aller. J'ai envie d'y aller, on va y aller. Super sort de gel. Enfin super. Je sais pas trop, putain on était aggro là. Là c'était trop gros, mon ref. Non c'était trop gros, putain. Oh c'est trop dur là. Trop dur la vie. Ouf. Oh ça me régale par contre. Ça c'est la régalouse. Et là croyez-moi on va pas prendre trop de dégâts à cause de ce truc. Voilà. Ok, on a tellement limité la casse frère. On a tellement limité la casse. Il avait une contre-attaque des enfers. Donc on va être patient. Mais c'est en fait la mousquetaire, moi je vous le dis hein. Top 5 4 cancers aussi hein. Mousquetaire top 5 des 4 cancers. Elle me fait péter un câble à table de trop loin. Trop de dégâts aussi. Regardez là. Putain je peux rien faire. Elle va pas... Tellement chiant en vrai, tellement chiant la mousquetaire. Va crever la mousquetaire vraiment. Pire carte du jeu. On est contre un français, putain j'avais pas vu. Dédicace à mon frérot, s'il passe sur la vidéo. La mousquetaire cancer les gars. Mousquetaire tellement cancer. Ok on va être ça. Nice, tour de l'enfer toujours en vie. Tour de l'enfer cancer aussi hein. On va pas se mentir. Oh il va tenter de finir au sort. C'est pas gentil ça mon frère. C'est pas très gentil ça dit donc. C'est pas gentil le ref. Ne finis pas au sort s'il te plaît. Ne finis pas au sort mon ref s'il te plaît. Voilà parfait. Yes. Oh, j'ai eu peur. Attends j'ai vu le séisme j'ai fait oh là 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 là. On va lui mettre un petit emoticon cochon comme il vient de m'en mettre un. Bien joué frérot. Je me suis dit attends le séisme qui pop. Je vais me faire défoncer au sort en fait. Je vais me faire il va me finir à la petite cuillère. Et non en fait ça passe. Magnifique. Allez, mini babo. Mini babo. Qui se souvient de Mega Babou? C'était un joueur pro Clash Royale de l'époque. Qui se souvient de Mega Babou? Ça m'a fait penser à Mega Babou. Mini babo. Bon, c'est pas forcément pareil, mais t'as capté. Tour de l'enfer niveau 13. Let's go, mon ref. Ok, il a roquetté la tour de l'enfer. Il a pas l'air de vouloir jouer contre la tour de l'enfer, donc tant mieux. Ok, mettre la capa. Avec la bombe, évidemment, qui fait très très mal. On est obligé de mettre le bouliste.
Une carte qui coûte 4 et qui nous fait chier. C'est quand même très fort. Hein. Ouais, bon, calme-toi, merci. Voilà. On va plus mettre la Valkyrie. Ouais, c'était à droite. Ouais, bon, c'est pas grave. Ok, cimetière Lockbait. Il joue Lockbait Maître Mineur. C'est l'un de mes decks favoris. Je vous l'avais présenté. Un deck tellement bien, tellement polyvalent. Je sais pas trop comment ça réagit contre cimetière. On peut voir. On va voir ça à l'issue de cette game. Allez, la dernière game de la vidéo. Si ça se passe bien. On va voir s'il roquette la tour de l'enfer. Mais je pense pas quand même. Il roquette la tour de l'enfer. Non, il roquette la tour. Waouh, ambitieux le frère. Très ambitieux. Il a roquette. Il a commencé à cycle une roquette. Là, le problème, c'est que j'ai la tour de l'enfer, donc c'est quand même un peu con. Il faut absolument partir, par contre, sur le côté gauche. Pourquoi sur le côté gauche? Parce que il a commencé à gratter ma tour de droite. Donc, si je pars sur le côté droit, il pourra faire potentiellement une contre-attaque. Yes. Ok. Canon. On va partir en bouliste. Voilà, il met un d'élixir, c'est parfait. On va arriver en x2. En x2, il sera aussi très fort. Hein. Il va pouvoir cycle vraiment très très vite. On va prendre aucun risque. Les archères derrière. Ok. Gobelin Sarbacane. On va mettre la Valkyrie ici. Voilà, nickel. Ça, c'est très très bien joué. Pas de kappa. Ok, pas de kappa, c'est cool. On a quand même 5. Ouais, on a quand même pas mal de choses là. Hein. Ce serait dommage de pas, pousser, j'ai envie de dire. Allez, on pousse. Ok. 2003. Rappelez-vous qu'il a mis une roquette sur la tour, donc il est censé avoir pris un petit désavantage d'élixir. On va pas se prendre la tête ici, simplement un boulis qui prendra les deux. Et les archères derrière. Voilà. Très bien. Comme ça. Il a pas mis sa kappa, ça fait plaisir. J'ai envie de gel pour garder la méga en vie qui sera très relou, croyez-moi. Elle est insupportable, la meilleure. Bon, là, il a mis le canon. Très bien joué. On passe à 1008. Tour de l'enfer. Le truc, c'est qu'il a la roquette. Donc, forcément, il va pouvoir terminer la tour facilement. C'est ce qu'il essaye de faire. Le truc, c'est que j'ai mis la tour de l'enfer aussi. Donc, j'ai perdu un peu d'élixir. En général, quand l'autre, il met une roquette, t'es bien. Mais là, j'ai mis la tour de l'enfer pour défendre. Donc, je suis pas vraiment très, 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 très bien. Allez. Alki. Là, il a mis de façon classique. Non, il a mis un peu derrière, encore une fois. Sort de gel. Nice. On a eu les. Oh là là, on a eu le maître mineur. Quel chat. Quel chat, Théo. À droite. Attention, à droite, ça peut faire très mal. Ok. Bouliste. 1008, 1005, 1002. Ça va être intéressant cette game, ça va être intéressant, il faut repartir en cimetière absolument. Gel. Jette un œil. Putain, il cycle tellement vite les refs. Il cycle vraiment vraiment très vite. Si mes deux roquettes, c'est terminé. Hein. Si mes deux roquettes, évidemment, vous l'aurez compris, c'est la fin des haricots. Cimetière. Gel. C'est maintenant. Putain, il est là. Hein. Allez bébé! Non! 300 HP mon ref! J'ai le seum! J'ai le seum de fou! Les games sont belles, hein! Les games sont belles! Dommage, je pense qu'à un moment, je mets la tour de l'enfer, j'aurais pas dû! En fait, comme je mets la tour de l'enfer, je prends un peu de désavantage d'élixir. Le moment où il a mis sa roquette, j'avais pas full élixir d'avance. Bien joué à lui, franchement. Bon, il a dû serrer les fesses, hein! Il a dû serrer les fesses, le ref. Après, les decks. Ouais, je vous le dis, les decks contre lesquels on perd, c'est intéressant. C'est le mineur, maître mineur Lockbait, qui est, bah, que je vous avais déjà présenté. Et on perd également contre le géant squelette, pêcheur, mais machin là, qui est insupportable et qui fait péter un câble, que je vous ai déjà présenté. Donc je perds contre des decks très très bons et des decks que je connais bien et qui sont monstrueux. Bon, oublions cet épisode tragique. Et on va envoyer le bullist pour ce dernier match avec un deck bien différent. Ouais, là, pour le coup, c'est vraiment un deck très, très différent. C'est vraiment un deck unique. Nice. Ok. Ok.
Ok. Oh là là, fait mal cette défaite, mais bon, c'est quand même intéressant d'avoir des games assez assez jolies comme ça. On n'est pas sur une game classique, j'ai envie de dire. Ok. Putain, il joue là. Oh là là, il joue. Putain, il a combien d'élixirs le ref? Mon ref, t'as combien d'élixirs dans ta poche? Le gars, il a 50 000 d'élixirs. 3 mousquetaires géants. Il a déjà mis toutes les cartes du paquet. Cabane de barbare. Il a déjà mis toutes les cartes du jeu, mon ref. Je te jure, il a mis toutes les cartes du paquet. Sans aucun problème. Allez, deux petits coups de Valkyrie. Putain, il a le chevalier. Waouh. Waouh. Ok. 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 Pas de soucis, mon pote. À la compote. Quand je dis cette blague, c'est que je suis en forme. Et on est très en forme pour cette dernière game. Mon pote à la compote, putain. Allez, faut que ça passe. Le truc, c'est que là, la contre-attaque, si je loupe mon cimetière, elle va être terrible. Là, je loupe ma contre-attaque. Je loupe mon attaque, mon pote, il met une contre-attaque des enfers. Hein. Non, mais qu'est-ce qu'il fout, frère? Non, putain. Déjà, je pensais que j'allais avoir les 3 mousquetaires. J'en ai eu que 2. Il a son géant devant. Ok. C'est quoi, on va pas se faire chier. Sort de gel. C'est toujours la bonne option, le sort de gel. Franchement, jamais une mauvaise idée. Allez, bébé, voilà. Après... En x2 il va être bon. En x2 l'adversaire va être vraiment un monstre. Ok, là faut que je fasse gaffe par contre. On a pas mal de dégâts de zone donc c'est quand même cool. Ouais, on a beaucoup de dégâts de zone donc je pense que ça peut clairement le faire. Let's go. Les archers qui vont bien défendre normalement si elles ont le temps. Voilà, parfait. Tour d'enfer, je sais pas quoi faire les refs en vrai. C'est assez terrible ce qui se passe. Hein. Deck spawner des familles, des enfers plutôt. Deck spawner, j'ai pas eu ça depuis 6 ans. Ça suffira pas. Hein. Wow, on s'est pris un coup de bûche. What the fuck, mec. Oh, j'ai le somme de fou là. Là, vraiment, j'ai le somme de baiser, les gars. Là, vraiment. Vraiment là, c'est 600 points de vie. Bon, on va tout donner, hein. Est-ce qu'on peut enfin mettre un cimetière, s'il vous plaît, monsieur? J'aimerais juste un petit cimetière dans ma vie. C'est pas trop demandé. Après, il a pas de sort, donc ça c'est bien. Pas comme le mec d'avant, n'est-ce pas? Qui avait tous les sorts du monde. 3 mousquetaires. Oh, les games sont chaudes, hein. Les games sont torrides. Les games sont torrides, mon ref. Ok, tour de l'enfer. Peut-être qu'il va servir à quelque chose. Non, elle sert à rien. C'est bon, elle sert à quelque chose. Nickel. 56 secondes en x3. Putain, il se passe rien dans cette game. C'est horrible. On fait que subir. J'ai pas mis un seul putain de cimetière, les refs. Oh, il a tellement d'élixirs, par contre. C'est grave, hein. Je crois qu'on va partir cimetière à droite, pas le choix. Pas le temps de niaiser, frérot. Wouah, je pète un câble. Je pète un câble, mon ref. C'est quoi son deck? C'est quoi son deck des enfers, là? C'est quoi son deck des enfers? Oh, c'est le genre de game, tu dis, bon, bah, bien joué. La game est déjà finie. Ah ouais? La game est finie, bon, il s'est rien passé. 17 secondes, voilà, il s'est rien passé, mon ref. Voilà pourquoi j'aimais les égalités. Il m'en a tapissé partout, le ref. 3 mousquetaires, il joue les cartes les plus chères du paquet. Dommage qu'on soit... Là, franchement, ça aurait pu être incroyable. Hein. Putain, le dernier cimetière aurait pu être fou. Ah, c'est vraiment con, putain. On a 2 boulistes. Oh! Mec, c'est trop. Bon, vous avez vu les decks contre lesquels on perd. J'ai kiffé la vidéo, honnêtement. J'ai kiffé. J'ai le seum. Je vais pas te mentir, j'ai le seum. Parce qu'au final, on avait gagné pas mal de trophées. On en a perdu. Et du coup, on stagne, on est à plus, je crois qu'on a gagné plus 30 trophées dans la vidéo. Bref, j'espère que t'as kiffé. On s'entraînera peut-être sur ce deck. Je sens qu'il faut qu'on s'améliore, il faut qu'on pratique contre les decks qui sont les plus toxiques du jeu. On n'est pas sur un deck ultra toxique avec ce cimetière, on est sur un deck qui est quand même bien. Mais putain, il y a des decks trop toxiques dans la méta et ça, c'est vraiment grave. Des bisous et on se dit à demain pour une prochaine vidéo. Ciao à tous.